Bonjour les amis, c'est Mitrap Nomad de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie des Vœux des Sages. Je monte sur la map où on se trouve. Alors moi j'ai mis une amulette pour plus de facilité. Donc voilà. Le coffre va se trouver sur ce Golem Axe. Je crois que c'est amélioré celui-là. Allez, go! Faites attention parce que nous, c'est la deuxième fois que le coffre qu'il a sur lui. C'est un ultime. Enfin, c'est la deuxième fois que le coffre qu'il a sur lui vire. Son attaque, c'est la deuxième attaque, même phase. On retire encore. Non, on essaye de retirer son cube là où il y a le point faible. Hein, c'est celui qui est en vert fluo. Est-ce que... Là, il va monter en l'air. On va attendre qu'il balance ses cubes pour faire un retour arrière. Hop, retour arrière. Ça nous amène jusqu'à lui. Et pour pouvoir le taper. Et voilà. Donc on va récupérer bien évidemment tout ce que ça loot. On va amalgamer comme ça un ultime. Qui plus est, je vais la mettre sur mon dieu démon. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Et on ouvre le coffre. Donc ça nous donne le vœu des sages. Nous on a déjà un qu'on est allé chercher hier sur le roi Griok. Vous pouvez regarder la soluce, hein, comment battre facilement le roi Griok. C'est le dragon. Allez, on passe à la deuxième. Au deuxième, pardon, deuxième vœu des sages. Donc ça va se trouver ici. Je vous montrerai de nouveau sur la carte. Celui-là, pour le coup, je pense pas que ce soit un ultime. Enfin bref, je vais me mettre sur map. Alors, ça se trouve ici. J'ai mis une amulette parce que bah, c'est plus simple de faire la vidéo que de vous imposer mes déplacements. Non, en fait, c'est pas l'ultime, c'est celui-là où le coffre s'est. Il a dû tomber de l'île. Donc il balance ça. Comme pour l'autre, hein, retour arrière. Hein. Bon, voilà.
qui m'intéresse moi, c'est le coffre. J'espère qu'il s'est pas encore volatilisé. Ah non, j'ai eu un petit moment de frayeur. Donc voilà, deuxième vœu des sages. Faites attention, hein. Je vous dis, il tombe facilement hein, de l'île. Ouais, l'épée bigoron, pas mal. Non. Allez, on passe au troisième vœu des sages, qui va se trouver ici. Donc faites attention à la gravité. Donc encore un Golemax amélioré. Encore une petite frayeur par rapport au coffre. Là, attaque chargée. Et voilà, c'était vite fait. On récupère le coffre rapidement. Donc voilà, le troisième. Alors, est-ce qu'il me reste une arme sympa? Si ok déjà si celle du dieu démon si je vais pas virer le elle fait n'importe quoi avec l'amalgame je vais pas défaire si je ne vais pas défaire l'amalgame de mon espadon du dieu démon donc c'est là je vais prendre je vais enlever la lame ancestrale parce que ça sert à rien en fait. Hein, j'ai amalgamé des choses pensant que ça allait être bien, mais ça se sauve en fait. La première fois que tu tapes, le truc se barre. Donc il faut vraiment amalgamer. Faut miser sur tout ce qui est Sonéo, hein, les artefacts Sonéo, sinon généralement c'est pas top. Allez, du coup, le dernier vœu des sages. C'est parti. Je vous remonte quand même sur la map où ça se trouve. Hop, ici. Ouais, j'ai mis un marqueur vert pour me repérer. Vous dirigez vers l'espèce de planète là. Là, vous vous laissez tomber dans le trou. Là, vous utilisez emprise avec le R et vous bougez. Bougez la sphère pour atteindre, pour que le trou atteigne. Donnez-vous ça comme repère, hein, pour que le trou atteigne. Et voilà, cette ouverture. Pour pouvoir vous rendre en dessous et tout simplement aller chercher le quatrième et dernier coffre. Voilà. Donc on a nos quatre, enfin nous en l'occurrence les cinq vœux des sages, on va se rendre à Cocorico. Enfin, moi je me rends toujours, j'ai l'habitude de me rendre à Cocorico.
Bah, allez, à votre déesse préférée. Hein. Moi, je vais toujours à Cocorico depuis Breath of the Wild. C'est une habitude. Allez, on va aller voir la déesse pour prier. Et elle va voir qu'on a quatre vœux des sages et elle va nous demander si on veut améliorer. Franchement, ouais. De toute façon, il faut tous les améliorer, donc. Donc, serment éternel de Ryu, sage de la foudre, maintenant que le lien qui vous unit s'est renforcé, ce témoignage du serment prêté par Ryu, le sage de la foudre, vous permet d'invoquer un avatar plus puissant. Voilà, donc c'est notre quatrième Solus sur les vœux des sages. Il y en aura encore une dernière. Donc, si cette Solus vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.